Amen. Deuxième fonction. Kazi ya pili. Jean 14 et 17. Yo, ane, kumina ine, kumina saba. Nous conduire dans toute la vérité. Nikutu ongoza katika kweli yote. Dieu savait Mungu que cette Bible ici yakuwa hii Biblia, elle est difficile. Ningumu. Et tu sais pourquoi elle est difficile? Na, wajua kwa nini ningumu? C'est parce qu'elle a produit trop de religions. Ni kwa sababu ilijuliwa na madini nyingi. Parce que les gens l'ont interprété de leur façon. Watu wakaitafsiri kwa namna yao. Et chacun l'interprète selon ses intérêts. Kila mmoja na kila mmoja anaitafsiri sawa sawa na faida anazotafuta. Celui qui veut se marier à plusieurs femmes, mwenye taka oa wanawake wengi, il dit comme Salomon comme David. Anaieleza eti sawa Solomono sawa. Alors que c'est faux. Ingalau ni uongo. Celui qui veut boire de la boisson, mwenye taka kunywa malofu, il dit Paul a dit, anasema ati Paul alisema, à Timothée, akiambia Timotheo, à cause de ton estomac, kwa sababu ya tumbo lako, prenez un peu. Kunywa pombe kidogo. Amen. Amina. Celui qui veut se battre, anataka gombana, il dit Jésus avait tapé les gens dans l'église. Atasema eti Yesu alipigaka watu hekaluni. Amen. Amina. Mais attention. Lakini angalizo. Le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Roho Mtakatifu alikuyaka kutuongoza katika kweli yote. Lisons. Tusome. Amen. Amen, amen. Jean 16, 13. Yohane 16:13. Quand le consolateur sera venu, wakati mfariji atakapokuja, l'esprit de vérité, roho wa kweli, il vous conduira dans toute la vérité, atawaongozaka katika kweli yote, maana il ne parlera pas de lui-même, hata nena kwa yeye mwenyewe, bali il dira ce qu'il aura entendu, atanena yale atakuwa amesikia, et il vous annoncera les choses à venir. Na atawatangaziaka mambo ya swayo kuja. Naweza jua je kama nina roho. Comment saurais-je que j'ai l'esprit? Ni wakati ule aliye ndani yangu. C'est quand celui qui est dans moi. Ukiniletea bya bongo. Si tu m'apportes le faux. Anakatala. Il refuse. Ukinipa bya kweli. Si tu me donnes la vérité. Anaitika. Il accepte. Hawezi nimezesha n'importe quoi. Tu ne peux pas me faire avaler n'importe quoi. Mana roho ndani yangu. Parce que l'esprit qui est dans moi. Ataniongoza katika kweli yote. Il me conduira dans toute la vérité. Na akiwa ndani ya kanisa. Et s'il est dans l'église. Hata likubalia lifundishe vya bongo. Il n'acceptera pas que l'église puisse enseigner les faux enseignements. Atafanya blocage. Il va faire le blocage. Fausse doctrine isingie. Pour que la fausse doctrine ne pénètre pas. Na atakuwa na vuvia batumishi. Et il va chaque fois katika kweli yote. Dans toute la vérité. Haijalishi le kweli naweza luma. Peu importe si cette vérité peut faire mal. Mais atawaongoza katika kweli. Mais il le conduira dans toute la vérité. Amen, amen. Amen, amen, amen. Oh kuya, oh venez, tutakuombea. Nous allons prier pour toi. Tutakupa na mai, et on va te donner de l'eau. Utakuwa unakunywa. Ce dont tu vas prendre chaque fois. Pour que upone. Pour que tu sois guéri. Hariko mu maandiko. Ça ne se retrouve pas dans les écritures. Oh kuya, oh viens, tutakuombea. Nous allons prier pour toi. Na nyuma, et après, tunakupatia na kapido kamai. Nous te donnerons un bidon de l'eau. Utakuwa na kamwanga mu nyumba. Tu vas chaque fois déverser ça dans la maison. Kufukuza mapepo. Et pour chasser les. Hariko mu maandiko. Ce n'est pas scripturel. Yesu alisema, Jésus avait dit, ninyi ndio mtafukuza mapepo kwa kinywa chenu. C'est vous qui chasserez les démons par vos bouches. Amen. Mtawekea mikono watu na watapona. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Bana bubido bwa mai. Ce ne sont pas des bidons d'eau. Non, non. Non. Wewe unaona Jean? Oh, tu vois papa Jean? Il vous connaît ou dada ou you? Tu es avec cette sœur? Akikukoroga? Si elle te trouve. Ongezia ko kengine kamoja. Tu peux ajouter une autre. Mwanaume ni jogo. L'homme c'est le coq. Mwanaume wa kimwili. C'est l'homme charnel. Pana mwanaume wa kiroho. Pas un homme spirituel. Roho akiwa ndani yako. Si l'esprit est en toi. Hata kusukuma kumvumilia. Il va te pousser à la supporter. Hata kusukuma kwa jogo. Il ne peut pas te pousser d'être le coq. Non, non.
Oh, unaona dada? Oh, tu vois la sœur? Niko na kufiancé. Je suis en train de te fiancer. Mimi nasikia ndani yangu ni kuonje kwanza. Je sens dans moi aussi je peux te goûter un peu. Kama mimi si kuonje, si je ne te goûte pas, si ta kuoa. Je ne veux pas te marier. Bali bambia mtu anaonja ka fiancé. On va dire qu'on goûte à la fiancée. Roho aliye ndani yako. L'esprit qui est dans toi. Alibitosha wapi mu maandiko? Où est-ce qu'il a tiré cela dans les écritures? Hauna haye. Tu ne l'as pas. Amen. Amen. L'esprit de vérité. Roho wa kweli. Jean 14, 17. Yohane 14. Que le monde ne peut recevoir. Ambayo dunia haiwezi kumpokea. Parce qu'il ne le voit point. Sababu haimuoni. Et ne le connaît point. Na haimjui. Mais vous. Bali ninyi. Vous le connaissez. Mnamjua. Car. Sababu. Il demeure en vous. Anakaa ndani yenu. Et il sera en vous. Na atakuwa ndani yenu. Amen. Vous le connaissez. Mnamjua. Unakuwa na hiyo roho. Vous devez connaître l'esprit. Et vous dites l'esprit m'a interrompu. L'esprit a accepté. L'esprit m'a poussé. Vraiment, est-ce que l'esprit peut te pousser d'aller dans la boîte de nuit et retirer ton pantalon? Vraiment, le véritable Saint-Esprit te pousse de donner la vraiment et que tu puisses enlever ton pantalon. Et l'esprit est là. Pana. Non. Vous êtes des menteurs. Ni uongo mtupu. Amen. Amen. Mwache kwa nadanganya mko na roho. For the sake de nous tromper que vous avez. Benye bali fushwa ka roho mzuri. C'est qui ont enseigné bien. Wanaweza kutia kumunzani wanasema. Quand il se met sur la balance il dit. Huyu hana. Celui-ci n'en a pas. Hallelujah. Amen. 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 Oh Jésus. Yesu. Merci Seigneur. Asante bwana. Conduit par l'esprit, paragraphe 4. Kuongozwa na roho mtaji wake wa ile. Frère Branham prêche la brochure. Branham anahubiri mafundisho. Qu'on appelle. Yaitwayo. Conduit par l'esprit. Kuongozwa na roho. Paragraphe 4. Mtaji wa ine. Et maintenant. Na sasa. L'une des plus merveilleuses choses pour Dieu. Moja wa vitu vizuri sana kwa Mungu. Et pour les chrétiens. Na kwa Mkristo. Le lien de communion entre Dieu et les chrétiens. Kifungo cha ushirika kati ya Mungu na Wakristo. C'est que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. Ni kwamba wale ambao ni wana wa Mungu wanaongozwa kana roho wa Mungu. Chenye kinalunganishaka ba Kristo na Mungu. C'est qui le lien? C'est qui unit de communion? Et les hommes. Chenye kinalunganishaka mutu kinamupatanisha na Mungu. Ce qui unit l'homme à Dieu. Ni kuongozwa na roho. C'est d'être conduit par l'esprit. Haongozwe na roho. Tu n'es pas conduit par l'esprit. Hauna ushirika na Mungu. Tu n'as pas le lien avec Dieu. Unaweza kuwa na ushirika na pasta wako juu namletia ka franga. Tu peux avoir le lien avec ton pasteur parce que tu lui apportes de l'argent. Mais hauya kuwa na ushirika na Mungu. Mais tu n'as jamais eu le lien avec Jésus ou Dieu. Mais lakini, la plus grande chose que j'ai découverte dans la vie de chrétien. Dans la vie chrétienne, kitu kikubwa ambacho nilitambua katika maisha ya Mkristo, c'est de laisser le Saint-Esprit vous conduire et vous guider. Ni kuruhusu Roho Mtakatifu akuongoze na akutawale. Et son œuvre est merveilleuse. Na kazi yake ni kubwa sana. Combien ici on était déjà conduit par l'esprit? Wangapi wamekwisha kuongozwa na Roho na ile roho? Hapa. Uh-huh. Wangapi hapa? Combien ici? Qui ont déjà été conduits par cet esprit. Tu es en train de marcher. Tu veux entrer dans des choses. Tu sens qu'il t'interdit. Tu veux faire ceci. Tu sens qu'il refuse. Et puis demain tu dis ah. C'était une erreur. J'ai senti l'esprit m'interdit. Mais celui qui n'a pas cette chose. Il entre dans des choses. Il se retrouve après. Amen, amen. C'est il dit, oh, je ne savais pas. Où était l'esprit? Nani zambi, zambi. C'était un péché, péché.